Jodis qui nous peut causer, c'est grade 13, correct, grade 13. Bonjour, bonjour, HSI sub et papier D nous peut causer bubble sort. Correct, bubble sort. Et nous avons un coup notre cela après nous avons papier d'examen. Correct, Banzele qui est présent là, nous faisons un screenshot et nous faisons essayer. Ah, monsieur, et ligne à search aussi. Ouais. Bubble sort et ligne à search. Allez, pas grave, nous avons un parrain seulement. Ok, maintenant. Ouais. Maintenant, d'après notre cela, nous avons un coup de côté. Voilà, bubble sort, là, nous causer. Qui veut dire bubble sort? Et dans l'idée, c'est là-bas, c'est dans ce papier d'examen et tout. Bon, première affaire, nous faisons bubble sort dans un array. Veut dire, il faisait un array en dimension. Et commencement, il y a un. Oui, allô? Allô? Je vais t'en demander. Allô? 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 Les correct là, je vais t'en demander. Allez, ça va. Allez, bon après-midi de tout. C'est classe grade 13 et nous vais expliquer Bubble Sword. Bon, pour expliquer Bubble Sword, nous prenons un array. Array, quand nous avons des data. Voilà, ça est un array et nous avons des data là-dedans. Et commencement, qu'est-ce que tu veux dire? Array là, un sort. Un sort veut dire, bah, l'élément là-dedans n'est pas dans l'autre. Et à la fin, les vous vous êtes sorti. Je veux dire, depuis un sorti, les vous vous êtes sorti. Et méthode qu'il peut faire, appelle ça bubble sort. Qui veut dire bubble sort? Bubble sort est une méthode pour arranger un data in order dans un array. Et il peut comparer le first element with the second element. Et il peut comparer, il peut aller, il peut tirer plus gros éléments. Il peut bubble out the biggest element. Et sa comparaison là pour répéter. Je veux dire, pour une deux loops, pour un loop que tu peux scan sa loupe là, sa array là, donc this is the array, et on a un élément là dans 25, 34, 98, 7, 41, 19 et 5. Ça, on appelle ça un sort. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous comparez 25 avec 34. Bon, 25 pas plus grand que 34, il reste en place, ne soit. Maintenant, il compare 34 avec 98. Il pas, 34 pas plus grand que 98, ne soit. Maintenant, il compare 98 avec 7. 98 plus gros, il fait swap. 7 là, pas dire. Là, il compare 98 avec 41, il swap. 98 vient avant. Là, il compare 98 avec 19. 98 avant. Et là, il compare 98 avec 5. Il fait 98 avant. Je veux dire, là, il peut scanner ça, aller là, étape par étape, il peut comporter des éléments et il peut appeler gros éléments. Commencement, tout est unsorted. Là, l'ingain, sa 98 là, il sorted, les restes, il unsorted. Maintenant, il vous fait deuxième passe. Vous allez scanner, aller, 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 il tient plus gros élément. Maintenant, deuxième passe. Voilà. Bon, pas, malheureusement, il va se faire record. Veut dire, comment nous dire, mal élément là-dedans, je vais comparer. First pass, second pass, third pass, il y a aller jusqu'à 6 passes. Et en l'intérieur, il peut comparer. Voilà, nous avons l'original list, nous avons expliqué. Nous avons first pass, second pass, third pass, fourth pass, puis 6 passes. Et voilà, là-dedans, c'est. Monsieur, dans un poste, combien de comparaisons? Bon, si tu regardes bien, dans un poste, tu peux na. Dans chaque poste, tu peux na comparaison. Combien de comparaisons tu as? Il y a tu regardes là. Là, un comparaison. Ouais, un comparaison, deux comparaisons, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 comparaisons tu peux na. Ouais, 7 comparaisons tu peux na. Ouais, voilà, première comparaison, okay. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, attends, un, deux, première comparaison, deux, trois, quatre, cinq, six comparaisons, un, deux, trois, quatre, cinq, six comparaisons, ouais. Dans cet élément, tu as six comparaisons avec six passes, ok, six comparaisons avec six passes. Maintenant, let's get a look là, voilà, ça c'est le sudoku. Ça c'est au array, my list, il y en a un à cet élément. Ça c'est maximum élément qui tu es dans la liste là. I, n c'est number of elements. I c'est sur outer loop. Outer loop là veut dire combien passe. Et j c'est sur inner loop, veut dire sur internal comparison. Temp c'est temporaire de PCR. Maintenant là nous guide bien, tu es là, voilà, maximum élément du coup 7 et tu as n fait 6, veut dire inner comparison du coup n à 6. Passe, il peut y avoir
N A 6 même. Ok, N A 6. Ok, maximum comparaison qui te prend. Et ça, voilà swapping. Swapping qui veut dire, tu prends élément par devant, J, non, tu prends élément my list J, J, et J plus 1. Tu prends J, tu envoies de temp. Et tu prends J plus 1, tu envoies de J. Et tu prends temp, tu envoies de J plus 1. Bon, si tu vas trop comprendre ça, je vais pousser et toi, de paint. De paint, je vais pousser et explique toi qui veut dire J avec qui veut dire J plus 1. Ok, je vais faire une petite comparaison, je vais expliquer toi. Voilà, et là, je vais essayer de prendre un lettre là. Voilà. Voilà. Maintenant, mettons ça dit J. Ok, mais ça qui dit J plus 1. C'est mon service. Hein. Voilà. Là, si ça J, nous augmente. Voilà, c'est ça J et ça pour J plus 1. Ah, monsieur. Ouais, ça c'est déplace dans Harry là. Si J dit. Ouais, quand je pose deux questions. Si J dit 1. Si dans le premier poste, nous prenons 6 comparaisons. Mais dis que, vu que l'infini. L'infini sorted N là. Bien là, moi dans mon second poste, nous prenons 5 comparaisons. Ouais, il faut diminuer. Ouais, il faut diminuer. Ouais. Jusqu'à la dernière ligne, moi dire. Ouais, ouais. Sixième poste. Ouais, il faut diminuer, chaque fois il faut diminuer. Maintenant, regarde là. Par exemple, regarde là, de ça l'exemple là, de Begeté. Voilà. Si tu regardes ça, l'algorithme là, là, il peut comparer dans J, disons, tu es à 25, dans J plus 1, tu es à 34. Ok, voilà. C'est comprendre. Hein? Ça, tu es à 25 et ça, tu es à 34. Ok? Bon, là, qu'il vous fait, il vous compare élément avec J. Est-ce qu'il est plus grand que J plus 1? S'il est plus grand, là, tu fais swap. Et si, dans le cas là, il n'est pas plus grand, mais si tu es plus grand, tu fais swap. Ça 34 là, bizarre le côté, et ça 25 là, bizarre vin là. Mais dans ce cas là, il n'est pas plus grand, il n'est pas pour faire swap. Mais s'il veut faire swap, il veut servir une variable temporaire. Et sa variable temporaire là, de temp, IMP. Ok, bon, comment il fait un temp, qui il fait un temp, ses premières affaires, il prend valeur, il est là, tu fais ton algorithme, c'est même qui ne peut s'expliquer toi, dans ton algorithme, voilà, la bubble saute, il prend valeur qui est dans J plus 1, voilà, il est là, valeur qui est dans J, il va dire un temp, voilà, on explique toi, valeur qui est dans J, il peut avoir dit un temp, voilà, sa première étape, 25 vins là. Okay, ça c'est première étape qui te vous a remarqué. Voilà. Maintenant, deuxième étape. Il prend J plus 1, il y a avec J. Voilà, la deuxième étape. J plus 1, tu as avec J. Il dit, il n'est plus 25 là. Ça 34 là. 6 ans, tu plus grand, tu peux faire ça. 34 pour une. Mais troisième étape, qu'il vous a fait. Prend temp, avec J plus 1. Voilà ce qu'il fait. Il prend temp, il y a avec J plus 1. Voilà, il prend temps et avec J plus 1. Ça trois étapes là, je vous ai compris bien. Ok, maintenant, j'espère que je comprends ça trois étapes là. Là. Je vais le mettre là. Voilà, ça qui te vous a compris. Première étape qui diffère. Ok, bon, checker si le plus grand. Bon, tu compares J avec J plus 1. Si J plus grand que J plus 1, là il va se swapping. Il prend J là, il a envoyé la temp, moi explique toi. Et il prend J plus 1, il a envoyé la J. Et il prend temps et envoyer la J plus 1. Je ne peux pas comprendre ce diamant, mais ça m'a fait expliquer dans sa vidéo là. Ok? Voilà, je vais expliquer comment faire swapping. Et chaque fois, N pour diminuer par N. Tu fais N diminuer par N parce qu'il te nomme une comparaison pour diminuer. Voilà, tu nomme une comparaison chaque fois un élément, il faut diminuer pour aller. Le chaque passe, il faut diminuer par N pour aller. Voilà, bon, là nous expliquons encore une autre affaire. Qui est intéressant encore. Voilà. On explique toi qui représente ton I avec ton J. Voilà. Si nous print screen là, on envoie ça là. On envoie ça là. Ok. Ça représente. Voilà. Ça représente ton I. I est égal à N. I est égal à D. I est égal à 3. Ça représente ton I. I est égal à 4. I est égal à 5.
ok, et 1 représente 6. Maintenant, J là, il représente ça. Ok, J représente, ok, J il représente N à combien? N à dernier élément là. Il faut diminuer ça, que J pour depuis N à 6, là il faut N à 5, N à 4, N à 3, N à 2 et N à N. Voilà, J là, il diminue N à 6, là il N à 5, voilà, N à 4, N à 3, N à D, N à N. Qui fait parce qu'il y a le loop, là tu as remarqué. Bon, là, dans le loop, là tu as remarqué. Voilà, dans Bubble Sort, tu as remarqué. Dans le loop, là, voilà, là. Print screen, voilà. Là, nous explique-toi qui veut dire ton I. Voilà, ton I te passe depuis 1 à 6. Correct. Et là, ça N là, tu es obligé de diminuer parce que chaque fois, N là, tu es obligé de diminuer parce qu'il se passe pour diminuer. Et de comparaison, on compare J, J avec J plus 1. Et ces trois étapes, tu as envoyé J dans c'est le plus grand, J dans temp, J plus 1 dans J et temp dans J plus 1. Ça, moi, je finis d'expliquer. Correct. Voilà ton bubble sort. J'espère que tu comprends. Maintenant, nous continuons avec. Et là, tu as dit nombre comparaison. Réjama. Lettre N là, tu fais des nombres comparaison. Ouais, lettre N là, tu connais qui fait. Il n'est pas capable de mettre ça J à. Il n'est pas capable de mettre ça pareil comme ça là. Parce qu'il fait. Il faisait diminuer par N. Correct. C'est nombre de ça. Tu peux guider le diagramme là, mon corps. Tu as là, mon expliqué, c'est bon. La vidéo. Voilà, regarde là. Là, moi, tu peux expliquer. Le J là, il diminue par N. Il diminue par N. Ok? Maintenant, tu sais, moi, je finis très souvent le coding sur la DAVB. Tu sais, relis, comprends-le plus bien. Correct? Voilà. Je finis d'expliquer ça coding là. Maintenant, nous continuons. Bubble sort. Là, de mes causes encore un autre exemple. Code my list, il y en a 7, maximum élément, N, number of swap. More swap J avec temp. Là, ouais, voilà. Mais là où tu servis qui loop, tu servis. Tu servis deux faux loop. Mais dans l'examen, tu as gagné deux faux loop pour faire bubble sort, qui est plus facile. Ou bien tu es capable de servir repeat loop. Ok, repeat loop si dans l'examen, souvent des fois, pose question le bubble sort. Correct, ça reste un joli algorithme. Bon. Toujours le même principe, maximum élément qui est dans ton array, minus 1, living to n. Veut dire, dans nos cas, il y a 7, 7 sur n, veut dire n living 6, veut dire qu'on a 6 comparaisons. On a repeat until ça. D'après ça, monsieur, il y a n là. Ouais. Il y a la lettre n là, là. Ouais. Le nombre d'éléments. Ouais. To be. Non, lettre M là c'est nombre d'éléments. Mais d'après table là, monsieur, et d'après table là, là-haut, vous trouvez le nombre d'éléments to be compared. Ouais, to be compared. Mais c'est moins une affaire de vous comprendre. Nous venons d'un autre là. Regarde là. N là c'est number of elements to be compared at each pass. Ça bout là qui est important. At each pass. Regarde dans chaque pass. C'est là où tu sais expliquer une affaire. De chaque passe, le nombre d'éléments qui vous a comparé, il diminue. Voilà, ça qui est important de comprendre. Et là, ça est important, ça te I. Ça. I, ça c'est number passe. Premier passe, deuxième passe, troisième passe, quatrième passe, cinquième, sixième, sixième passe. Mais combien d'éléments tu as? Tu as 7 éléments. Et ton number passe, il fait 6. Qui fait le vers 6? Parce que le dernier élément, pas besoin de comparer. Il est automatique, saute. Mais dire, si tu as 7 éléments, ton I est pour N à 6. Ça, tu besoin de comprendre. Maintenant, N. N veut dire que J. J pour commencer, qui a fait? Ça, c'est une inner comparison. Il pour commencer N. Il pour aller jusqu'à combien? Il pour aller jusqu'à N. N est pour commencement 6. Après, J qui est pour faire? Regarde là. J est pour N. À combien? À N. Mais c'est moi, N combien il pour être dans le cas là?
Libou 5. Et bien, N, Libou Foyer. Libou départ, combien pas si non? Et I, non, J, sorry, J. Libou est égal à N à combien? Libou est égal à N, jusqu'à N, N combien ici? Libou 24. Voilà. Et J, Libou aller pareil, J, Libou 20, N à combien? N à N. Mais N combien ici? Il vient 3. Mais tiens, d'après ton note, c'est bien qu'on prend N, c'est number of comparison. Et number of comparison, après ça, passe, il vous diminue. Il n'est pas pareil. Il n'est pas fixe. Il diminue d'après ça, passe. Ok? Voilà, j'espère que tu peux comprendre. Et je retourne dans les notes. Les trucs bien, tu peux lire bien. Voilà. Voilà les états. N, c'est number of elements to compare in each pass, the sack pass. Correct? Ouais, mais après sack pass, il diminue. Il peut diminuer. Ouais, il peut diminuer. À cause ça, N, il diminue pas N. On dit au loop, très très intéressant. Bon, pour ceux qui comprennent bien, mon écrit programme dans VB, beaucoup fois mon écrit programme dans VB, mon service for loop, get avant ce comparaison là, je vous ai pratiqué. Vous avez écrit ce programme, tu as dit, envoyez-moi mon cas de debug pour toi, mais c'est écrit à lui au moins. C'est pas pour écrire, tu es capable de tester. Ok, moi, je finis de faire tout ça dans le programme là, mais je vous ai écrit à envoyer mon cas de debug ça pour ça. Ça, c'est une vidéo default loop qui est facile, bubble sort trop trop facile, vous avez compris, vous avez pratiqué. Là, c'est une vidéo default loop. Mais là, un autre exemple de l'examen, il n'a pas servi default loop, il n'a pas servi repeat loop. Et dans repeat loop, voilà ce que tu as compris. Il est pareil. Maximum élément dans sa arrêt là, dans sa cas là. Voilà. Là, maximum élément, si c'est 7 tiens N, je veux dire 6 comparaisons de Poena, 6 passes de Poena, et de vous comparer. Jusqu'à Poena swap. Jusqu'à Poena swap que vous avez fait. Bon, swap commencement du true. Correct. Et il faut J, ça c'est internal comparison. N à N, mais c'est moi N, il faut diminuer par N. Chaque fois, après chaque passe. Il faut diminuer. Ok, ça repeat loop là, c'est représente une passe et J là représente une comparaison. Et J comparé avec J plus 1, si il est plus grand, il y a là, tu envoies J côté temp, tu envoies J plus 1 côté J et tu envoies temp côté J plus 1. Et mot swap, une false, il sur J. Correct? Bon, ça c'est facile, tu peux écrire dans VB et tu as aussi comparé. Maintenant, voilà, ça c'était Bubble Sort sur la note. Maintenant, papier l'examen concernant Bubble Sort, il y en a beaucoup. J'espère que c'est prend. Voilà. Bubble Sort sur le papier l'examen de gagner. Voilà, ça c'est un autre note qui m'a servi. Sorting Bubble Sort. Monsieur. Ouais. Oui. Et des fois, on m'a dit de Bubble Sort là, non, un petit peu des affaires loss. Ouais, dépend. Un deal lost tag bien, oui. Tu as déjà envoyé moi de ton algorithme, tu as 100 variables à ce nom. Voyable à ce nom, et un élève fait comment dire, moi je donne l'exemple. Moi je donne l'exemple, un élève de place les services à variable. Ça, c'est intéressant, ça, c'est un autre mode sur mon service. Ok. Alors, il a ça dans l'examen, tu as besoin qu'on compare cet algorithme là. On est un autre exemple. Ça, c'est intéressant. Double sword. Attends, ne rentre ça le plus. Attends. Voilà. Regarde là. Par exemple, ici, maximum element, il est capable de last element. Déjà, c'est arrivé à la place d'un service à variable qui appelle max index là. Il est capable de last element. Correct? Il est capable de ça last element. Dans le sens ou non. Maintenant, nous rentre de sa explication là ici. Il y a encore une note qui m'a servi, il est assez bien clair le bubble sort, très très intéressant. Voilà, sorting, basically bubble sort, c'est un method where each adjacent pair of values are compared et les swap. Et ça, sur l'algorithme, tu first et second te comparer, si first plus grand qu'il lost, second one, il y a les swap. Et il continue une comparaison. Voilà, 5 avec 34, tu comparer les bubble out plus gros éléments. Ça, c'est un pass. Et comme ça, il y en a pour faire 6 passes s'il y en a 7 éléments. Correct? Voilà, ça sera l'algorithme. Ça va faire until no more swap sans par exemple.
All right. Tiffany. Ouais, attends, nous avons un algorithme là, vous devinez là-bas. Nous avons un vin là. Ouais. Right. Ok. Là, les pédiatres, repeat until no more swap. Ok. Bon, no more swap. Pédiatres pédiatres encore pour swap. Pédiatres n'arrive la fin. Pédiatres répéter jusqu'à pédiatres encore swap. Do you have more swap? No. Si no more swap been true, pédiatres pédiatres encore pour swap. Et commencement, no more swap les true. Et chaque fois que tu fais un swap, les bouvines false. Mais j'allais te faire un swap, les bouvines false. Mais quand tu es en cours pour swap, tu es un élément pour swap, no more swap. Ok, l'élément true. Mais tu es en cours pour swap, tu es capable d'arrêter. Et ça, les petits servilis, par contre, les petits servilis dans for loop, tu arrives dernier élément. 1 to maximum minus 1. Ok, parce que si tu as 7 éléments, tu arrives 6e élément, tu es capable d'arrêter. Mais dire, ALA représente. ALA représente pass et J représente man internal comparison. Et dire là aussi pareil, nous venons là, si tu peux en co-élément pour swap, pour comparer, tu es capable d'arrêter. Et là, ça aussi intéressant, regarde là, ici ma liste, il y a un arrêt, et là, il peut bubble out, premier pass, il peut faire, il bubble out, plus gros élément, c'est 89. Ça sera arrêt. Deuxième pass, plus gros élément, il y a 55. Troisième passe, plus gros élément, il y a 40. Et ça, il y a 36, il y a 16, il va comparer, puis bubble out, puis là, ça vidéo là, je prégète lui, il y a 16, après, il peut la comparaison. Il veut dire, commencement, il y a sorti avec un sort, et la fin, il arrive après 8 passes. Bon, s'il y a 0 à 8, combien il fait 9 éléments. S'il y a 9 éléments, combien de passes il peut faire? Il peut faire 8 passes. Voilà, ça est intéressant. Maintenant, là aussi, il y a un autre exemple. On prend, écoute, là, on peut expliquer. Tu as un array, les unsorted. Il peut bubble out, il peut appliquer au élément 9. L'autre passe. Bon, combien d'éléments il y a dans ça, l'exemple là? Si tu regardes bien, il y a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Combien passe il peut faire? 8 passes. Correct? 8 passes, ouais. Ouais. Et prix gros éléments, les tirés premiers, les tirés 9. Là, il y a 8, là, il y a 7, là, il y a 6, là, il y a 5, là, il y a 4. Voilà, il fait ça, il y a allé comme ça. Commencement, il y a unsorted. Voilà, dans le first pass, moi, il y a qui est arrivé. Dans le second pass, third pass, fourth pass, fifth pass qui est arrivé. Il y a la peine encore swap, tu as arrêté. No more swap, tu as arrêté. Ok, maintenant, là, le modèle dans le pseudocode des bubble sort. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est le repeat loop. Et repeat loop, commencement, no more swap, les true. C'est-à-dire, si peine à swap, tu peux sortir. Et chaque fois qu'il te fait internal comparison, no more swap, il est false. Mais si peine encore pour comparer, il est là que pour sortir. Tu repeat loop, il va comporter false et tu for loop, il comporte comparison à l'intérieur. Et ça, trois la ligne qui est importante là, ici, voilà, ça, trois la ligne là, ça me fait swapping là. Ça, mon pensée, je comprends. Voilà, bubble sort, tu pas dit. Quand dans le programme là, ou bien, moi dire, ou pas, les ou poser une question, moi dire, no more swaps, les pour dire, ou les, vous n'avez pas besoin de faire swapping. Et si les tout, les là, ou rentre dans le programme là. Bon, si les no more swaps, tellement bien. No more swaps, si les tout, ou sorti depuis le programme. Mais non, encore swap pour faire. Si les tout, non, mais les commencement, les tout. Ouais, commencement, il faut dire les tout ou rentrer. Et si la swap, il est false. Il y a un encore swap pour faire. Si no more swap, il est false. Il y a un encore pour faire. Si il est true, il veut dire, vous avez sorti. Pénal pour faire. Pénal pour faire, vous sortez. Voilà, ça c'est encore un algorithme qui nous donnait. Ici, là-dedans, ce qui est un peu différent là-dedans. Non, il est pareil. Bon, ça d'où, ouais, là c'est comment dire, il repeat, même ça, repeat loop, parce que ce condition vient en bas. Ok, il est écrit while, mais c'est moi repeat ça. Correct? Il y a une repeat loop, ça, parce que sous condition vient dernier. Et là, il y a une post condition. Là. Ok, ça, une post condition. Okay. Et en dernier. Monsieur, une question. Ouais, mauvais temps, ça, là. Si, moi, dire,
ou en sept éléments et vous m'avez ou vous avez fait 6 passes non mais vous m'avez le deuxième passe même une finish hein, une finish au total non mais programme là vous avez check tout programme là vous avez checké vous avez fait tous les 6 passes vous pouvez choisir les mais vous m'avez dit pas n'est pas correct non on peut perdre les temps vous m'avez si la seconde passe même une finish correct mais comment tu connais la seconde passe vous déjà comment parler pour lui connaître la seconde passe les correct tu veux comprendre faire comment j'aimerais donner un exemple fait que moi j'ai fait 7 zélés débouter dans la ligne. Dans la main, j'ai un cachet de casse. Et toi, tu fais comparer dans le casse. Faut tout ouvrir un casse là, tu as tout comparé. Tu as le connaît qui te gagne plus que c'est la cocaïne sur la main. Si tu pas comparé, toi d'après, toi, tu te dis gagner, mais tu faisais comparer. Tu faisais comparer, tu faisais le plus gros élément. Tu faisais aller depuis la fin. Parce qu'il ne te connaît pas qui élément, faut te comparer. Sauting comme ça. Si tu as comparé, tu as arrêté. Je vais te dire deuxième zélé, même si on finit à voler là. Non, mais problème, voler là veut dire que tu peux comprendre un zélé, le highest, le biggest. Mais tandis que dans ce là, il n'y a pas dit que tu peux prendre le highest là. Tu peux faire le premier highest, tu peux faire le second highest, tu peux faire le third, fourth, y aller. Mais tu vas être capable. Ah, ok, ok. Il n'y a pas pour comment dire, il n'y a pas pour un zélé. Il y en a plusieurs, il ne peut jamais dans l'autre. Correct? Oui, oui, on comprend. Ouais. Voilà, voilà. Si tu dis highest, tu peux arrêter. Mais il y a la première ouais, highest. Ouais, vous avez fait pour les autres là, sinon. Ouais. Bon, regarde là, même sur une cause. Voilà, ça bout là intéressant là. Ça, c'est un zélé, vous comprendre. Ça, s'il n'est pas comprend, il va poser une question. Hein. Il va comprendre. Ah, il y a un travail là, c'est même ça, swapping là. Là. Voilà, regarde ça, trois éléments qui sont importants, le swapping là. I sur valet, tu as envoyé de temp. I plus one, tu as envoyé de I. Temp, tu re retourne de I plus one. Ça, s'il n'est pas comprend, il va pas aller devant. Ok? Bon, il y a un peu d'élèves qui sont rentrés, mais il prend la tendance là pour les élèves qui connaissent qui nous fait un bubble sort. Ok, il reprend la tendance là, il va copier là. Ok, on finit quand on a fait ça là pour nous connaître comment c'est les tirants. Allez, nous retournons avec nos 20 questions à l'examen. Je vais dessiner le carré et tout. Voilà. Maintenant là, tu trouves qui veut dire my list yarré, upper bound, lower bound, index, swap, top, temp. Bon, là, mon écran programme en VB. Moi, mon fini écran mon programme. Non, non, ça c'est sous le code. Sous le code, ici, il est intéressant. Je dis sous le code. Quand il y a ma liste, il y en a 0 à 8, combien d'éléments il y a 9. Il y a lower bound, upper bound. Ok, upper bound c'est 8, lower bound c'est 0. Et ce index, ce swap, ce top, tout là. Et qu'est-ce que tu as l'exemple là? Initialize, de lower bound, upper bound, top, top, the upper bound. Et là, tu repeat loop until swap, no, not swap, pena swap. Oh, top, il arrive 0. Et là, à l'intérieur, tu as ouais. Il y a une swap, la zone false, là-bas, pour aller au bas. Réellement. Réellement. Ouais, ça double laisse là. Non, non, ça n'a pas de service. En fait, tu peux mettre copy-paste. Il peut mettre equal to, soit arrow. Soit arrow. Bon, ça, c'est une erreur de copy-paste. Ok? Bon, ça, c'est de repeat loop. Repeat until no more swap. Oh, top is equal to zero. Ça te, te passe, repeat loop là avec contrôle te passe, faux loop là avec comporte internal comparison. Et te internal comparison, tu peux trouver du fait top, is equal to top minus 1. Ok, ça je vous ai remarqué, c'est un petit représente nos N, N t'es là. Ok, et là, swap commencement du false, à l'intérieur, living true, et si index plus grand que index minus 1, valeur index, ça va être code temp, valeur index plus 1, ça va être code index. Valeur temp, il y a un code index plus 1. Ça, trois éléments là représentent le swap. Ça appelle internal comparison. Ça, for loop là, il représente le internal comparison. Ça représente le pass. Bon, ça, on a fini d'expliquer. Maintenant, moi, on a fini d'écrire sur le code AVB. Ok, tu es capable de copier comme ça, tu es capable de run li, mais je vais écrire. Ok, vous êtes capable de run le programme là pour vous. Je vais dessiner le AVB. Ouais, run li. Mais c'est peut-être une fois écrit à deux, personne va écrire. Un code 6 va écrire. Et voilà.
Là, on rentre dans VB, on peut rendre mon bubble sort. Bon, bubble sort, c'est très bien ici, il y a une procédure. Alors, il y a une procédure, il y a le bubble sort, et là, on déclare tout moment de variable. Là, on a mon repeat loop, à l'intérieur, on a mon for loop, et get mon swap commencement false, get mon index comparé avec index plus 1, mon temp, et mon index plus 1, mon verbe dans index, et temp, mon verbe dans index, swap in true. Repeat, top, terminé pour end, très très bien. À ce stade, dans main, je vais coller. Dans main, je vais coller. Call bubble sort. Ouais, call bubble sort. Mais c'est moi pour le call bubble sort. Il y a un problème là-dedans. Moi, je vais finir remplir mon array tous les 9 éléments. Je vais finir remplir. Ok, je pense que je vais écrire un code là. Je vais checker un code, je vais oublier là. Ouais, voilà. Je pense. Non. Bon, ça c'est une autre façon avec un bubble sort. Bubble sort numéro D, ça a une autre procédure. Ok, je vais mettre là-dedans, mais là je vais appeler N ou bien D. Ça c'est une autre façon de écrire bubble sort. Et dire un deuxième comparaison. Non. Non, ça c'est là, moi je peux écrire. Directement, tu mets pas l'erreur alors. Attends, je vais mettre un coup là. Ça, mon premier bubble sort. Attends, je vais VB là. Je vais écrire deux procédures. Ça procédure bubble sort, mais avant lui, je vais écrire une autre procédure bubble sort D. Ok, mais celle-là, comment elle est différente? Celle-là, oh, d'accord, celle-là, je finis de mettre bonne valeur là-dedans. Alright, je finis de mettre ma liste, je finis de mettre ce valeur, 70, c'est tout à faire, et il n'est pas sauté. Hein, il est sauté, il n'est pas sauté. Non, il n'est pas sauté. Ok, je finis de créer la liste. Ouais, je finis de créer la et je finis. Bon, il est presque pareil, comme tu es là. Il y en a un loop. Do loop until, no more swap, je trouve ça, oui. Et là, tu as un for loop, bien bon. Je fais les pareil, mais la dernière qui m'a fait pour output, je écris un for loop là. Là, je peux output tout élément et il est supposé sauter de liste de moi. Je veux dire, celle-là, je ne peux pas appeler. Ça bubble saute ici là, je ne peux pas appeler. Je ne peux pas appeler là ou là. Celle-là, mais je m'appelle saute bubble saute parce qu'il peut finir déjà créer la liste là. Je veux dire, dans main, je m'appelle bubble saute. Et pour bloquer, je m'appelle console.readline. Voilà. Ok, allez vous rendez-vous. Je suis obligé de coller. Mais il finit coller là. Et il demande sur tête 14, 21, 27, 44, 43, 45, 46, 7. Appelle lui. Voilà. Et là, si vous m'avez trouvé, dire bubble saut D. Et bubble saut D, bubble saut premier là, mon pense. Bubble saut D. Et là, la liste, il dit 70, 41, telles histoires. Et là, ça se vend local variable. Ça se repeat loop. Voilà, il a repeat loop until no more swap. En dans l'île, il y a un for loop. Et for loop, voilà, il a la comparaison. Il veut dire, avant la liste, il y a un sauté. 70, 46, 43, 27, voilà. Et la fin de mon rendu, il est sauté. Qui l'a dit, avant, il était 70, à 5 il est 14, après 21, 27, 41, 43, 45, 46, 57, 70, il est sauté. Un sauté, il est là-haut, voilà, et sauté. Voilà, vous trouvez, moi j'écris mon programme run, j'ai testé tout correct là-dedans, il n'y a aucun problème là-dedans. Ou vous êtes travail, ou vous êtes testé, ou vous êtes compris. Voilà, maintenant, je retourne avec mon bubble sort, je finis expliquer, je finis run. Ça, il y a encore un exemple là-dedans, là-dedans, c'est un truc qui est intéressant là-dedans, je suis content, c'est ce très stable. Voilà, c'est un joli exemple, que tu peux même affaire, tu peux expliquer. Mais un service très stable, ça c'est line number, c'est très stable, get son array appelé my list, get commencement, ben élément qui est dans l'array là, il y a 5, 40, 34, 98, 7, 41, 19, 25, et la fin, il est supposé de mettre la liste sorted, la liste sorted, voilà, tu continues, et il est supposé de mettre sorted. Maintenant, il y a encore une façon pour écrire bubble sort, voilà, ça, extra intéressant. Je vais créer un troisième programme, Bubble Sort 3. Je vais rendre pour vous. Je vais déjà finir d'écrire. Et là-dedans, ce qui est intéressant, il peut servir des for loops. Il y a un for loop, ça te deuxième for loop. Premier for loop là, A là représente pause. Deuxième for loop là, J là représente inner comparison. Voilà ton inner comparison, J plus 1 avec J. Voilà, il peut comprendre ça. Très très intéressant, je suis capable de copier ça, rendre ça, mais je pense que je vais. C'est fait. Voilà mon tasse, mon devoir qui m'a donné. Write program to sort array of age, etc. Mon tasse. Vidéo là, perico, de café, mon programme là, vous voyez, mon cas tester ça pour vous. Bubble sort, dans l'exemple.
Regarde les mêmes bonnes comparaisons. Ça, c'est bon papier d'examen. On nous dit la liste bonne papier d'examen. Juin 2015, papier 40. Screenshot de voilà, s'il vous plaît. Il y a une vidéo là-dedans. Vidéo là, record. Tu fais une vidéo là, tu checker. Ok? Si tu te subscribes à mon channel, tu as une promisseuse. Voilà, la vidéo là. Ouais, get la vidéo là. Il fait déjà. Record tout là. On espérait. Voilà, vidéo là, record tout. Et qui est là? Nous ré-rentrer. Voilà. Voilà, bubble sort, on finit d'expliquer, on finit de faire des voix. Ok. Et on s'est à faire des voix là, la lavine vers moi, nous mettons des cafés. Mon screen sharing. Voilà. Correct. Bon, la liste des voix, je check dans mon vidéo, il est déjà là. Voilà. La liste des voix là, il est là. J'espère que j'ai des screenshots de ta record, c'est sûr là. Et quand screenshot de l'écran, je vous garde. Correct. Bon, on voit le papier d'examen là, il est là. Et un par un, mon programme de voix là, il a déjà 2000. Ça, c'est la liste de voix, je vais screenshot de tes voix. Bagirati, t'es rentré? Bagirati? Allez, Bagirati, t'es rentré là? Ouais. Allez, Bagirati, t'es rentré. Get that l'écran, tu n'as pas screenshot toi-même. Caricode, ça, c'est sur là. Allez, tu as gagné des screenshots là, tu as gagné là. J'ai 2015, papier 41, question 15, question 5. Ça, c'est la, ouais, ça, c'est ben la liste de devoirs qui m'ont donné. Et un là-dedans, pour vous corriger, je vais faire. Voilà, j'ai 2015, papier 41, question 5B. Voilà, là, les causes un bubble sort. Qu'est-ce là-dedans? Ça, l'exemple là, il prend des for loops. Sa première for loop là, this pointer, il représente parse. Correct. Et deuxième for loop là, il représente internal comparison. Et si pointer, plus grand que pointer plus 1, le fait swapping. Pointer, tu avais écouté temps, pointer plus 1, tu avais écouté pointer, et temps, tu avais écouté pointer. Et là-dedans, il pose ta question. How many iterations is carried out for each? Bon, outer loop, il y a 9 iterations, inner loop, 9 fois, mais à chaque fois, il peut diminuer par 1. Correct. Bon, voilà ma question qui m'a plus de réponses. On va attendre ce travail et il y a un cas. Comparer. Correct, je vais voir la vidéo là même. Je fais avant de voir là, je t'envoie moi, je finis de la liste. Moi, je vais toutes sur question et sur réponse maintenant. Mais moi, je garde les autres tout, je fais le travail, file là, lila. Explique-moi ça, c'est la bande de voir là, ouais. Je vais faire mais complète ça, envoyez moi, là, je vais continuer. Correct. Non, fais aller après, dans la prochaine classe, nous vous causer. J'ai besoin de finir de moi, de la liste, de quelque chose qui est bizarre. Bon, ligne seule, si moi en ali, mais pas aujourd'hui qu'il vous fait aller, une prochaine classe, et j'ai besoin de finir de moi en avance. Maintenant, là, la nugget ligne seule, tu m'as pensé de la même là. J'ai voilà. Envoyé un message. Ouais, t'as envoyé un message, nugget. Voilà, ligne search, nous avons ce nut, nous avons ce bonne question à l'examen, qui est là, et nous avons discuté tout là-dedans. Ligne search, binary search, tout une question à l'examen, ce bonne réponse là. Ce nut, il est déjà là, et c'est le travail, ce qu'ils m'ont envoyé là avant. Voilà, get ce nut, et ça, t'es là, nous avons ce papier d'examen. Ligne search, ce nut, là. Voilà, ligne search, voilà ce nut, comme on explique toi. Ça, le capable explique toi. Allez. Maintenant, là, mon boule les yeux avec sa bande de voix là, vidéo là, mon père applaudit, travail là, il y a là, nous guetter, nous allons comparer. Correct? Bon, on arrête sa vidéo là, on peut applaudir.